tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Colofab pour la présentation d'un nouveau livre. C'est un livre mystère, incroyable nature avec 40 coloriages mystères à l'intérieur. C'est les illustrateurs Dessin et Tolra qui m'ont proposé de vous le présenter. Alors, je trouve que c'est un livre mystère très intéressant parce que moi, je n'ai que des mystères Disney. Mais franchement, je trouve que ceux-là sont vraiment super. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer ça de suite. Donc déjà, on retrouve 40 coloriages à l'intérieur de ce livre. Vous avez quelques petites explications. Et ce qui est super par rapport au Disney, c'est que vous n'avez rien derrière, ce qui est super. Le papier est très épais, donc on peut très bien utiliser de la gouache, du feutre alcool, du feutre normal, voilà, parce que même si ça transperce, eh bien ce n'est pas grave du tout. Vous avez très peu de couleurs à utiliser et je trouve que ça peut être vraiment agréable à faire parce que le fait qu'il n'y ait pas trop de couleurs, c'est vrai que ça détend énormément. Parce que vous voyez, vous avez des grandes zones comme ça à faire. Et je pense que ça peut être des coloriages qui peuvent aller assez vite à faire. Et tout simplement, ce sont donc des colos sur les pays et les villes. Je crois qu'il y a des villes ou juste des pays. Donc voilà, c'est un livre que je trouve vraiment super bien. Ça change un peu des Disney. Voilà, on part un peu dans tous les pays, donc ça fait bien voyager. Le Canada, la Norvège, Bali, on a les îles, on a des pays plus froids. Voilà, on a de très jolies illustrations, le Japon, voilà. Donc je vous montre un peu également les solutions. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vrai que ça paraît du coloriage simple, mais c'est des choses qu'on retrouve en illustration déjà toutes faites. Et moi j'aime bien, je trouve ça très très sympa sous cadre et tout. Ça peut être très joli une fois mis en couleur. Sachant que je vous dis, on peut utiliser du feutre à alcool, du crayon acrylique aussi, ça passe très très bien je pense. Pour moi le mieux, je pense que c'est d'utiliser quand même de l'acrylique parce que ça va bien vous recouvrir les traits. Après si vous ne voulez pas le faire à l'acrylique, vous pouvez très bien le faire au feutre, ça doit passer également. Donc voilà les endroits qu'on retrouve. Je suis en train de revérifier. Incroyable nature, oui c'est ça. Donc les endroits qu'on retrouve, voilà. Yosemite, Switzerland, Paradise, Colorado, Moldova, Amazon, Utah, Corée, on a Vancouver, Iceland, Wanaka, je ne sais pas où c'est, Hawaï, Germany, Serengeti, Guatemala, Iceland, Japan, elle est jolie celle du Japon. Tuscany, ah, je crois que c'est ma préférée, Tuscany, ouais. La Toscane, ouais, je cherchais le mot. Le Grand Canyon, New Zealand, Monténégro, Greenland, Tanzania, Grand Teton, Italie, elle est belle aussi. La Toscane et l'Italie, c'est mes deux préférées. Je vais sûrement commencer par une des deux. Bali, Netherlands, Norway, sympa à faire pour les fêtes celle-ci. Le Yellowstone, Ireland, Acadia, Égypte, Australia. On a vraiment pas mal quand même. Everglades, National Park, Snowdonia, Bulgaria, Cape Town, Great Smoky, The Azores, Portugal. Canada, Virgin Island. Et on a envie de continuer à voyager en fait. Il reste une page ou pas? Oh mais non, non c'est fini les amis. On a tout vu.
Bon, voilà, franchement, je trouve vraiment ça intéressant à faire. Donc, j'essaierai d'en mettre une en couleur, en soit la gouache ou gouache et acrylique, pour voir un peu ce que ça peut donner en peinture. Mais ouais, j'ai vraiment hâte d'en commencer un et de vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce style de livre mystère. Je suis assez intéressée par vos retours. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Colofab pour plus de visu sur les livres. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci à tous. Bye bye, à la prochaine. Ciao!